C'est vraiment très très bien. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il y a une vraie compréhension du style, un beau son, une bonne articulation, un usage pertinent de la pédale, en particulier ici où, où il faut faire attention. Et je trouve que c'est vraiment formidable. Très 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 bien. Ok. Ceci dit, je pense qu'on peut aller peut-être plus loin dans la caractérisation. Cette musique-là, évidemment, elle est aussi opératique, elle est instrumentale au sens large, hein, bien sûr, pas que pianistique. Et je pense qu'on peut peut-être trouver des contrastes un peu plus, peut-être, pourquoi pas, un petit peu plus prononcés. On peut reprendre du début ? Mais c'est vraiment très très bien. Ah, merci. Mais c'est bien. Je me dis, est-ce qu'on peut pas trouver une couleur différente pour l'accompagnement et pour le peut-être plus marqué. Je dirais au niveau de l'équilibre, je pense que le son de votre main gauche est un peu trop le même que celui de la main droite, peut-être. On peut y réessayer. Oui. Alors, ok, juste le début. C'est une levée, hein? Oui, oui, d'accord. Oui, mais non. Peut-être. Oui, c'est, en fait, je voyais ça avec votre collègue ce matin. Vous partez sur la note, je pense que. Il y a quelque chose à faire avant l'attaque, je pense, qui manque peut-être. Par exemple, moi, je ne ferai pas de crescendo. C'est ré, do, do, si, ré, do, do, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et je le ferai là. Oui, oui. Je trouve que c'est dommage un peu si vous augmentez avant. On peut refaire. C'est très difficile ce début, je trouve. Ça fait une éternité que je n'ai pas joué. Rien que ça, pardon. Pas lourd la main gauche, peut-être. Je sais pas. Essayez encore, peut-être. Oui. Vous mettez une corde, pas de une corde. Hein. Ouais. Attends. Sacha, juste. C'est comme une sorte de toboggan et vous devez amortir l'arrivée. Si vous faites. Non. Et c'est trop digital. Non. Mieux. Oui. Oui. Il y a un petit défaut que vous avez, mais ça, c'est compréhensible. Parfois, vous faites un petit accent sur la dernière croche de la mesure. Parce que comme... Mais c'est des nuances, comme vous faites, la si, do, do, par exemple, vous conduisez vers le premier temps, et du coup, vous avez tendance à faire ta, ta, ti, ti. Oui. Mais la main gauche, ça ne doit pas suivre. Oui. En fait, c'est peut-être ça qui manque encore, c'est une vraie indépendance entre l'accompagnement. Ne laissez jamais votre main droite influencer le phrasé de votre accompagnement. Jamais. Encore ? Mieux ? Trop sautillant quand même. Parfois. Moi, dans cette musique-là, les points, je les ferai pas d'une manière trop. Moi, j'aime pas le truc sautillant. Bon, alors ça, c'est chacun qui... selon son goût. Hein. Mais je, ouais, essayez d'éviter ça. Même ré do, si ré do, tout c'est ré do, om bim bi do, om bim. Ouais.
Attention là-haut. Oui. Reposez-vous vraiment sur le cime. Ré, do, do, si, ré, do, do, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, fa, fa. Et alors, ça, c'est une chose hyper importante. Dans le style classique, je pourrais le dire pendant 40 ans, mais quand vous avez un slur, enfin un lié en, par deux, s'il n'y a pas de point sur la deuxième, elle reste longue. Elle doit être simplement séparée, elle est détachée, mais jamais tera, tarim, surtout pas. Surtout pas sauter. Teram, tarim, teram, taram. C'est séparé, mais pas de point. Hein, ça, c'est important. Si do, si la, si do, ré, mi, mi, fa, mi, on fait ça. Si do, si do. Chose. Oui, le fa, j'entends pas le. Ré, do, si, la, sol, mi, fa, 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 do, si, do, ré, do, si, la, sol, sol, mi, fa, do, si, do, ré. Vous le chantez un peu. Je sais pas comment dire, parce que c'est bien, mais il manque quelque chose. On peut refaire du début encore ? Encore ? Est-ce que vous savez, en fait, vous savez quoi? C'est le genre de musique, moi, je trouve, qui doit être tellement chantée qu'on doit même plus se rendre compte qu'il y a des notes plus ou moins longues, qu'il y a un rythme même. D'accord. Tout doit être dans une espèce de flux absolument égal et je ne jamais rompre ce flux, quel que soit le rythme, en fait. On peut réessayer? Prenez plus de temps. Il faut vraiment que ça chante. C'est la différence, là aussi, on en parlait ce matin, c'est la différence entre chanter et parler. Pour moi, le début, vous devez chanter. Et à partir du moment où vous êtes à l'octave, on est plus dans un discours parlé. OK? Directement là-dessus, ça fait vrai dos ici. Vous voyez, votre accompagnant, s'il a ré do do, ré do si la so, mi fa. Je trouve qu'il y a une lettre de Mozart très intéressante d'ailleurs, où il parle d'une élève, une élève à lui, et je ne sais plus s'il dit qu'elle est talentueuse ou pas d'ailleurs, peu importe, et il dit, mais par contre, elle ne sait pas avoir cette liberté de la main droite, alors que la main gauche fait semblant de ne rien en savoir. C'est-à-dire que la main gauche doit être quelque part presque imperturbable, mais la main droite doit être totalement libre. Alors ça paraît impossible, parce qu'on se dit, ben, la main gauche, c'est quand même ce qui va l'enfermer. Eh bien non, il y a quand même une illusion à donner que votre main droite, elle va être totalement libre avec une main gauche qui, elle, semble, en tout cas, imperturbable. On peut refaire ça encore ? Oui. Oui, pareil. Do, c'est ram, pas trop court. Do, c'est ram, pas di da do. Alors, je sais qu'il y a un point, mais quand même. Attends, mais je sais pas. Attends, mais j'essaye moi aussi. Hein. Écoutez pas. Par exemple, déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, c'est un tout petit peu plus lisse, la main droite, et pourtant, ma main gauche ne bouge pas. Non.
Non, parce que déjà ta main gauche, ça fait mes rédos, si, ré, fa, ré. Oui. Je sens que ta main gauche, elle est influencée par ce que tu as fait avant. Mieux? Non, ça y est, ta main gauche a bouffé la droite. Non? Oui? Il faut comprendre une chose, dans Mozart, toutes ces petites basses comme ça, ces petites mains gauches, elles servent juste à une chose, à faire mieux chanter la main droite. Jamais elles ne doivent la gêner, c'est au contraire elles qui portent le cantabile de la main droite. On peut refaire encore? Non, tu fais tirap tarap tarap. Sacha, je trouve ça trop uniforme. C'est comme... cette musique, c'est comme un paysage avec ici une petite cascade, etc. J'ai l'impression que c'est magnifiquement fait, parce que c'est très bien de faire ça égal. C'est déjà une grande qualité, mais une fois que tu as l'égalité, il faut la déségaliser. Okay, l'égalité est un préalable, n'est pas une fin. Hein? D'accord. Ok, on continue. Drum, parapam, parapam, parapam. Tu vois, et puis souvent, tu as tendance à pas aller au bout, je trouve, parce que toi, tu fais un peu... C'est dommage, je trouve. Et puis même, ton son, il va être plus ouvert, là, parce que quand tu fais... N'accélère pas. Et alors ça, j'ai pas compris pourquoi tu fais... Tu alourdis ça, je trouve dommage. Ok, on peut essayer. C'est trop lourd. Ouvert mais pas lourd. Et cette musique, elle est faite que de ça. Do, re, do, si, la, so, fa, ta, re, re. Pas down, up. Ok. Drum. Non, plus, do. Insiste. Reste pas. Il y a même limite. Fa, sol, la, si, tira, tira. Oui. Limite le contraire. Encore si, sol, mi, mi. Oui, il n'y a pas d'accent. Ah oui, là, il a mis... Oui, à mon avis, il faut vraiment différencier. Tira, titi, tira, titi, ta, 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 titi, là. Le vrai forte, il est là. Donc, n'insiste pas trop sur... C'est forte piano, c'est...
Encore. Et fort. Tu perds un peu, Sacha, de ton son et de ta consistance dans le son. Je trouve que c'est un peu éteint. La difficulté, là, c'est que ça doit toujours parler, ça doit toujours chanter. Tu sais, c'est difficile, je sais que pour tout le monde, c'est difficile de trouver la subtilité et en même temps, toujours de garder quand même un son, une texture, etc. Ok, refais-moi... Ré, mi, si, la... Tu vois, rien que là, il se passe... En fait, il se passe plein de choses. Donc... Rien que là-dessus, tu vois. J'ai pas fait grand-chose, j'ai l'impression, mais déjà, il me semble que cette cadence rompue... Mais attends, tu vois, par exemple, j'essaie de... C'est pas facile à expliquer, mais j'essaie de donner l'illusion que ça... Le deuxième toboggan qui répond, hein, qui vient un peu tard. Pourtant, ma main gauche, elle bouge presque pas. Mais l'illusion, ça doit être que la noire pointée est plus longue. N'exagère pas tes forte de main gauche. Hein. Rien que ça, par exemple, on est en do, en si bémol majeur. Et là, on est presque une sorte de do mineur de passage. Si bémol majeur, do mineur. Hein. Premier forte, il est là. Oui. Avant, on est dans des choses expressives, mais... Tu vois? Que ça soit plus libre, tout ça. Reprends sur... je sais plus où. Ré, mi, si, là. Tu vois, ça, par exemple, je comprends pas ce que tu veux faire là-dessus. Ré, mi, si, la, fa, mi, fa, mi, fa, mi, ré, mi, ré, ré, ré. Pourquoi mettre... Oui. Il ne met pas un forte piano.
Donc, juste si tout d'un coup, tu sépares un petit peu, déjà, l'harmonie de ton accord, elle va être mise en valeur. T'as pas forcément besoin de la pousser, en fait. Parle. Ça parle pas, Sacha. Le chant, il reste quand même là, hein. Moi, je pense... Parce que t'as l'impression que tu fais... Moi, je pense... Ton soliste, il est toujours là, quelque part, tu vois. Oui. Ouais. Dans la couleur, c'est bon, mais change pas trop le tempo. D'accord. Refais-moi. Ré. Fa, mi, ré, mi. Est-ce que tu connais les Utate Jubilate de Mozart? Eh, c'est ça le problème alors. Ça fait 3 heures que je m'escrime. Cette musique-là, oublie le piano, oublie les marteaux, oublie les doigtés, machin, etc. Si tu connais pas les œuvres vocales de Mozart, qui sont des espèces de moments de jubilation ou ce genre de cadence, avec ce que ça suppose aussi d'effort pour le chanteur d'arriver aux contrutes, et puis tout d'un coup, la vocalise après, etc. Il y a une espèce de panache et de jubilation, encore une fois, là-dedans, que nous, pour nous, c'est trop facile, je l'ai répété ce matin, c'est trop facile de jouer du piano, de faire ta-ta-ta-ta, le son sort tout seul. La difficulté de cette musique-là, c'est justement d'arriver à se mettre dans la peau d'un chanteur, d'un hautbois, d'un machin, etc., et du coup, d'avoir le flux qui va correspondre, la tension qui va correspondre. Pour l'instant, c'est super bien fait, mais ça reste encore trop du piano, en fait, tout ça. Refais-moi le début. Je vais pas le lâcher, hein. Ça parle pas. Ta main gauche suit trop ta main droite. Excuse-moi, mais t'es trop bon pour que je te passe et puis je te dise ici plus fort, moins fort. Non. On va travailler ça. Parce que pour moi, ce qui te manque, c'est ça. C'est à la fois pas grand-chose et beaucoup. Refais encore. Pas de sourdine. Chante. Il y a déjà 10 000 choses qui se sont passées dans cette musique que j'entends pas. Tourne la page encore. Voilà. Aussi, ça c'est très important. Pour les articulations dans ce genre de musique, il faut que tu détaches, il faut que tu sépares à peine avant le trait de double. Oui. Le petit coma que tu vas mettre avant va aussi tout changer au niveau de ton articulation. Ça va caractériser plus le discours. Encore ? Encore. Non. Est-ce que tu peux me jouer juste ta main gauche, s'il te plaît? Ok.
Et maintenant, tu vas chanter ta main droite en jouant ta main gauche. Je chante mal. Moi aussi, je chante mal, c'est pas grave. Non. Ouais. Daradiridori. T'es trop influencé par ton chant. Ta main gauche, elle me fait des espèces de petites vagues, elle doit être absolument imperturbable. Et c'est ça, et je vais te dire même, ça va être ça la condition de la liberté de ta main droite, c'est que ta main gauche sera absolument comme ça, plane. La moindre chose que va faire ta main gauche sera autant de crédit que tu enlèves à ta main droite. Encore ? Eh oui! Attends. Est-ce que c'est mieux? Ou je suis le seul à l'entendre, non? Là, c'est bon. Tu sais pourquoi? Parce que tout d'un coup, j'ai deux espaces sonores. Je n'ai pas deux voix qui jouent, machin. Tout d'un coup, tu donnes l'espace à ta main droite pour vraiment exister et sonner, en fait. Parce que la vérité, c'est que sinon, elle ne sonne pas, ta main droite. T'as deux espaces. Le maître de ça, c'était Horowitz. Horowitz, si tu jouais cette sonate, tu avais l'impression que tu avais... La main gauche qui jouait dans cette pièce et la main droite qui jouait dans cette pièce. Bon, alors, on n'est pas Horowitz, ni toi, ni moi, bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, déjà là, il y a un espace sonore qui s'est créé pour moi. C'est vers ça que tu dois aller, parce que tu as tout, tu as les qualités, tout est bien. Il n'y a pas de souci, mais maintenant, ça ne suffit pas, ça. Refais encore. C'était bien, ça, non? C'est bien, ça. Non? Non. De nouveau, ta main gauche... C'est ça l'espace qu'il doit y avoir. Mais... Ça va venir. Non. Tempo la main gauche. Non. Non. J'entends si, ré, fa, ré, si. C'est mieux. Là où tu l'as vraiment bien fait, c'est quand je t'ai dit... Déjà là, t'es un peu perdu. Oui? Oui, attention, ton la disparaît à chaque fois. Ré, do, si, ré, do. La, si, oui. La, si. Oui. Attention de ne pas le bouffer, celui-là. Il est important quand même. Ouais, ton la à la basse était trop fort. Fa, mi. Laisse chanter le... Fa, mi, ré, ré. Ton la... Oui, mais ton si ré fa si te bouffe un peu la main droite encore. Et là, c'est microscopique, mais il suffit que tu me joues. Tu joues presque trois mesures, en fait. C'est là que ça se passe. Oui. Tu vois, tu vois? Donc, parce que c'est là que la modulation se passe. Toujours, comme je vous ai expliqué aussi ce matin, le rubato, il vient des changements harmoniques, etc. Il n'est jamais arbitraire. Donc là, la modulation en fa majeur, en l'occurrence, quand il y a le semi-bécard, il faut le sentir. Et le temps que tu as pris, tu peux le rattraper un peu sur les doubles après. Oui, pas joli ça. Ça va Miredos ici. Si la sofa.
tu vois. Il y a des tas de jeux que tu maîtrises pas peut-être encore, genre. C'est-à-dire que parfois, j'ai remarqué que t'es, pour caractériser, tes temps pairs arrivent un peu tôt. T'as 2, 3, 4. Oui. OK. Sûrement parce qu'au fond, tu le penses un peu trop à la blanche. C'est à 4-4, c'est pas à 2-2. Hein? Encore. C'est mieux. Et. Oui, sauf qu'à mon avis, tu peux pas arriver au même forte ici. Si tu me fais déjà cette couleur là avant, ça me va pas. Si vous... Y a pas de contraste. Donc si j'étais chef d'orchestre, il y aurait des moments où l'orchestre, je le laisse tranquille, je battrais presque pas. Genre. Par exemple, do, si, la, la, si, do, do, ré, do, si, la, sol, la, si, ré, do, si, la, sol, fa, sol, la, do, si, sol, si, la, fa, tiga, 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 da. Tout d'un coup, le rythme revient, mais il faut que tu saches où tu bats et où tu laisses ton orchestre jouer. OK? Ouais, ça manque de prononciation. Oui. Ça, je l'entends jamais. Tu me fais un changement de couleur là. Do, ré, do, si, la, sol, fa, fa, ré, ré. Do, mi, fa, fa, sol, la, fa, sol, la, do, si, la, la, si, do, do, ré, do, si, la, sol, la. Ici, oui. Mais si tu me le fais avant, tu peux pas le faire après. Et. Chante. La, do, si, la, la, si. Oui, pareil, mais. Tu me fais des choses qui sont, pardon, un peu standard. Toi, tu vas me faire ça. Et tu sépares ici. J'aime pas ça, moi. Décale. C'est-à-dire qu'il y a une manière de couper les phrases qui est banale, si j'ose dire, et une autre qui, au contraire, va faire que ça va jamais être vertical. Le but avec Mozart, c'est de toujours garder l'horizontalité. OK? Si tu me fais do, si, la, la, si, do, do, ré. OK, quelque part, c'est cohérent avec ce qui a marqué, mais c'est pas malin. Pardon de dire comme ça. Mais do, ti, la, do, ti, do, do, ré. Et ça, tout d'un coup, ça, c'est Mozart. Et. Mais pareil. En fait, tu sais quoi? Tu me fais des révérences partout. Do, do, la, si, do, do, ré, do, si, la. Le mystère de Mozart, la grâce de Mozart, la grandeur de Mozart, c'est ce qu'on appelle en peinture le sfumato. C'est-à-dire le fait d'estomper les contours. Toi, tu me surlignes, en fait, les contours du dessin. Ce que je veux avec Mozart, moi, c'est au contraire que tu me les... Tu les grattes un peu comme ça sur le papier et que quelque part, il y a quelque chose de plus liquide. En réalité, tu vois? Encore. Do, ré, do, si, la, sol, fa, fa, ré, ré. Pourquoi tu me gueules sur le do? Fa, sol, la, do, si, la. C'est pas joli, ça. Fa, sol, la. Oui, tu vois, la, si, do. Chante, chante, chante. Oui, mais pareil, tu me fais... Et même ton geste, physiquement,
Tout est explicatif, en fait. Cette musique, si tu la fais explicative, pardon, mais à mon avis, elle perd tout son charme. La grandeur de Mozart, c'est de faire une mélodie qui est à la fois triste et gaie, un drame qui est giocoso, un drame joyeux, etc. Ça, c'est la grandeur de Mozart. Si tu commences à me faire des trucs comme ça, Mozart, c'est pas conventionnel. Justement, d'ailleurs, la révolution de Mozart, parce qu'on dit toujours que Mozart est un classique, qu'il a pas inventé grand-chose, c'est à la fois vrai et pas vrai. Ce qu'il a inventé, Mozart, c'est qu'il a cassé les codes. C'est-à-dire qu'avant, la musique était codifiée et tu avais le moment triste du lamento, du personnage, etc. Avec les opéras de Mozart, on l'a bien vu, on le voit là, tout d'un coup, une musique qui pourrait sonner joyeuse dit quelque chose de dramatique, etc. Donc lui, il a joué avec l'ambiguïté. OK ? C'est ça que tu dois trouver. Alors, cette œuvre-là, elle peut paraître totalement limpide. Mais même là-dedans, en fait, tu te rends compte qu'il y a des infractuosités partout. Le but, c'est pas de les mettre en valeur de manière à ce que ça devienne précieux ou maniéré ou exagéré, mais en tout cas, il faut que toi, t'en aies conscience. OK ? Refais-moi un do, re, do, si, la, sof, fa. Piano. Quand le timbre vient doré, c'est do la si sol la ta ta la de nouveau. C'est petit ça d'expression en tout cas. Oui, tu vois pourquoi tu fais ça je comprends pas. Il y a une manière de phraser qui m'interroge quand même pas. Tu vois, tu fais et t'éteins ici. Pourquoi ? Libre. C'est peut-être pas mieux, mais c'est plus libre. Ouais. Pourquoi ? Sol, la, do, sol, la, do, c'est là, dans la continue. Oui. La, do, la, si, do, do. Et reprends ta pulsation et ouvre. Et oui, la pédale est pas bonne ici. J'entends ça. Ça se mélange. Oui. Oui, pareil. Pourquoi tu fais ré, tu appuies en fait. Le truc, c'est que tu dois jamais appuyer tes effets. Jamais. M'explique pas. Je veux pas que tu m'expliques. Cette musique-là, elle a pas d'explication. Elle est arrivée dans le monde comme une source miraculeuse qui a jailli d'un rocher. On sait pas. Donc me fais pas une explication, mais je veux pas ça. OK ? Refais-moi ici. Et vas-y. Eh oui, mais là tu vas pas au bout. Là, il faut que tu ailles au bout. Là, c'est de revenir. Quelque part, parce que si tu me fais pareil, oui. De nouveau j'ai des tranches, je veux pas de tranches, pas trop fort, oui, prends du temps sur le forte et oui, ton do si do il est pas bon, ré mi si do si do, soigne-le encore, ré mi si, oui. Pourquoi t'attends ? Fa, mi, fa, mi, ré, mi. Et de nouveau. Parata, tu m'appuies.
Mieux. Et reprends le rythme. Et là, une autre voix, un autre instrument. Je veux l'entendre plus, ça. Do fa la do, c'est... Et du... Et oui, mais... Une chanteuse, je peux te dire que... Ça, elle va pas te le faire comme ça. Ou alors... Je veux dire que... Donc, il y a une espèce d'exaltation. Non, tu vois, par exemple, pareil. Pourquoi tu me fais ça? Tu fais Fa mi ré do si la sol fa ré do si la fa mi ré do. C'est le contraire. Oui. Tu vas vers l'exaltation suprême. Oui. Tu es dans les utato jubilate. Et toi, tu me fais Fa mi ré do si la sol fa ré do si la sol fa mi ré do. Ça mène nulle part. Oui, et vraiment, il faut que ça soit une espèce de libération, de joie extraordinaire. Fa mi ré do si la sol fa ré do si la sol fa mi ré do 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 la do 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 do. T'as envie d'embrasser le monde entier quand tu fais ça. Hein? Là, tu m'embrasses trois personnes. Ouais. Mais attends un peu. Quand t'embrasses les gens, tu fais ça. Je donne souvent cet exemple, mais c'est vrai. Là, t'embrasses ta famille. Et encore. Bon, si t'as pas une grande famille. Encore. Famille, là, c'est la soirée. Oui, pareil. Pourquoi tu mets... Fa, fa, fa. Et de nouveau, ça se... Non. En fait, tu sais quoi? Tu me fais toutes les choses un peu là où elles semblent être. Tu me les fais pas là où, à mon avis, elles doivent être. Tu vois? Parce que pour moi, ça, je le ferai pas là. Je trouve ça... Je le ferai plutôt là, par exemple. Tu vois? Donc... Essaye-toi parce que je suis fatigué, moi. Vas-y, dai. Oui, encore, refais-moi toute la cadence là. Fa mi ré do si la sol fa ré do. Ça, c'est pas clair, ça. Ecco. Bon, bene, on a hélas pas assez de temps, mais j'avais à la fois pas grand-chose à dire et énormément de choses à dire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout est bien, mais je pense encore une fois que tu es trop dans le côté un peu... Comment je pourrais dire? Dans ce qui semble être là, comme ça, évident, et qui du coup fait que tu coupes un peu les choses. Encore une fois, c'est une musique où il y a une espèce de flow de sous continu et qui doit jamais. Qui est à la fois souple et toujours présent, comme ça. Et... Mais quand t'as le passage le plus important, à mon avis, c'est quand tu m'as refait le début. Et où vraiment, entre la main gauche et la main droite, là, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose, parce qu'on a vraiment entendu que tout d'un coup, ça chantait. Parce que ta main gauche ne prenait pas le pas sur ta main droite. Après, il y a des tas de choses que j'essaye de modestement t'expliquer sur des histoires de comment dirais-je, de d'agogique, hein, comme on dit, c'est-à-dire comment bouger, etc. À quel moment tu peux prendre un peu de temps ou pas. Toi, tu as tendance quand même, en gros, en général, à prendre du temps dans des endroits... où tu vas me faire des petits morceaux, en fait. Et c'est là où je dis qu'il faut être malin, c'est qu'au contraire, il faut à chaque fois les décaler. C'est comme ça que tu fais un vêtement qui n'a pas de couture.
Par exemple, si tu mets la couture ici, bah, tout le monde va la voir. Si tu lui mets à un endroit qui est évident. Par contre, si tu la décales un peu ou que tu la mets dans un pli, personne ne va la voir. Je pense que la musique de Mozart, elle est comme ça. Bene, bravo.